Voilà. Yacron, Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir devant ma mangathèque. Alors, je fais rarement des vidéos devant ma mangathèque parce que, comme tu peux le voir, en fait, je n'ai pas assez de recul et tout ça dans ma chambre. Donc, c'est pas pratique. Et comme j'ai trois fois des meubles comme ça et dispatchés, en fait, les deux autres sont en face, ça fait pas un grand mur super beau, super intéressant. Toujours est-il, aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo, je sais pas si ça plaira beaucoup. Mais je sais que ça se fait sur BookTube et que moi personnellement c'est des choses que j'aime bien. Comme je compte réorganiser alors ces deux étagères là et deux autres qui sont un peu plus bas, mais comme sinon ça cadrait pas, bah voilà. Toujours est-il que je dois réorganiser quatre planches entières et je me suis dit que pourquoi pas faire ça en vidéo, en image, etc. Je vais t'expliquer vite fait. Ici on a tout ce qui est sur celle-là, on a tout ce qui est donc les vidéos. What new, etc. On a Mabel par exemple que j'ai fait en crash test. On a My Home Hero qui était donc dans une vidéo What new. Boys Love Metamorphose, Echo, Theme Shadow, Versailles of the Dead, Candy Cigarette, Jagan, etc., etc. Donc ça, voilà. Et sauf qu'il en reste un peu sur l'étagère qui est deux crans en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les trier, je vais séparer tout ce qui est séries qui sont déjà terminées au Japon, séries qui est toujours en cours, et les classer pour les séries qui sont terminées au Japon dans l'ordre qu'elles devraient se terminer en France. Donc par exemple, je vais commencer par là, tout ce qui va commencer, et puis plus on arrivera là-bas, plus ce sera par exemple celles qui vont se terminer en juillet, voire j'en ai une série qui devrait se terminer en octobre l'an prochain. Donc voilà. Ici, ça va être toujours mes titres où j'ai tome 1, 2, 3 ou des trucs comme ça de séries que je dois lire. Là c'est pareil, l'étagère suivante que tu ne vois pas beaucoup. Je vais bien reséparer, remettre tout ça de, parce que j'ai un côté ici où j'ai donc les séries Halloween. Donc je vais tout retrier parce que je sais déjà ce que je vais présenter l'an prochain. Et on est le 30 septembre, tout va bien. Et l'étagère du bureau en dessous, bah, c'est comme c'est aussi une partie de ça. Bah, tout ce qui ne sera pas série qui sera terminée là d'ici à ce que je parte dans un autre pays. Temporairement, ben je les mets en dessous comme ça, je les oublie en fait. Voilà, c'est pour les oublier, elles sont plus bas que ma vision. Alors que là, les trois étagères, c'est vraiment au niveau de ma vision, donc j'y pense. Et oui, là, t'as ma petite collection de hentai ici. Je viens de capter. Voilà, donc aussi, tu peux voir que j'ai pas mal full bordel ici. Celles-là, ce sont des figurines que je viens de vendre aujourd'hui sur Vinted. Et après, j'ai tout ce qui est gachapon, Candyson, etc. Voilà, avec le recul, les quatre étagères. Donc, celle-là, c'est donc avec les séries qui seront terminées. Ici, on a donc les séries que je dois lire. Ici, donc là, c'est aussi des séries, bah, c'est les deux étagères, là, des séries que je dois lire où j'ai acheté le tome 1, etc. Si on regarde bien, en fait, on a Chocotan, par exemple, qui lui est déjà terminé. Au Japon, mais je l'ai mis là parce que ça rentrait pas sinon ailleurs. On va avoir donc là, comme je te l'ai dit, il faut que je réorganise là tout ce, de ce côté, même derrière, c'est Halloween. Et donc les dernières séries qui vont avec ça, qui sont ici. Et donc là, ce sera toutes les lignes de séries qui sont toujours en cours au Japon. Voilà.